Laurent, c'est du vent en baisse ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon lundi. Un lundi qui commence avec un temps qui est variable, une température extérieure à 10 degrés, une température de l'eau à 12 degrés, une marée qui est haute, vous le voyez. Le plein eau est à 7h40 avec des coefficients de 79 et sur ce plein eau, le vent est tonnechort par le secteur nord-ouest. Petit vent de nord ce matin, modéré, il y a deux beaufort établis, des rafales à 3. Plan d'Ory, des clapots, pas de moutons, ils ne sont pas sortis de la bergerie, les faces de vagues sont ridées. Et on a une houle longue de 13 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest qui touche son maximum ce matin. Elle est à la hausse, elle est une fois de plus plus petite que ce que j'avais prévu. Elle nous donne du 2,50 m en déferlement régulier, 3 mètres sur la majorité des séries, c'est ce qu'il y a la plupart du temps avec des séries très espacées ce matin sur cette houle très longue de 13 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest. Et sur les gros sets longs à venir, il y a 3,50. Donc c'est fermé à la Cano, hein, même. Vous voyez, ça ne fait pas de grandes barres sur des centaines de mètres qui ferment de tous les côtés. Mais c'est trop costaud, c'est pas jouable, pas d'action, nulle part. L'évolution pour le reste de la journée, la Bouard Cachan-Gascogne stationne à 4,40 m et 10 secondes, là où elle va être stationnaire à la mi-journée, s'atténuant cet après-midi. Le vent se renforçant au nord à la mi-journée, faiblissant de nouveau cet après-midi. Les prévisions nous donnent donc à 13h 3 mètres à 3,50 m, ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période, vent de nord-nord-ouest à 3 beaufort, et à 17h, sans doute 3 mètres au maximum, ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 13 secondes de période, vent de nord-nord-ouest à 2-3 beaufort. Pas de surf et pas d'action aujourd'hui. Prochain point à 8h.